Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire un détourage facile et rapide en moins de 3 minutes sur Canva. Alors, les détourages sont souvent utilisés justement pour vos miniatures YouTube, mais également pour tout ce qui est présentation, que ce soit vos posts Instagram, posts Facebook, CV, enfin logo, logo pas trop, mais bon, en tout cas pour le reste, c'est quelque chose qui peut vraiment vous servir. Surtout pour les miniatures YouTube. Donc, on va voir ça tout de suite ensemble. On va dans l'accueil de Canva et on clique sur miniature YouTube. Là, on va voir qu'il y a différents templates qui nous sont proposés de miniatures YouTube. On s'en fiche parce que nous, on veut juste voir comment on fait pour détourer. Ça y est, on est arrivé. Donc, là, on a un fichier vierge de la taille nécessaire pour une vidéo YouTube. On va chercher une photo d'un chat. Alors celle-ci est déjà détourée, mais vous avez beaucoup de photos qui généralement ne le sont pas. Par exemple, je vais prendre ceci. Donc en fait, là, ce qui nous intéresse, c'est de supprimer le parquet, tout ça, les détails, et garder seulement le chat, le bras. Alors là, j'ai fait exprès d'en prendre un petit peu qui est plus complexe que les autres pour pouvoir vous montrer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, bien évidemment, avant de commencer et de vous montrer plus de détails sur le détourage, je vous invite à cliquer sur mon lien disponible en barre d'infos, en description, qui vous permet d'essayer Canva gratuitement pendant 14 jours. Il faut aussi savoir que le détourage se fait avec Canva, mais seulement en version payante. Vous ne pouvez pas le faire quand vous avez la version gratuite, puisque ça fait partie des fonctions pro. Donc, pour en bénéficier, il faudra avoir l'abonnement, prendre le plan professionnel. Donc, voici le plan professionnel. D'ailleurs, ne coûte pas très cher. Il coûte moins de 12 euros par mois et vous pouvez vous en aller à tout moment. Donc, voilà. Et vous pouvez faire pas mal de détourages d'images, de miniatures YouTube. Voilà. Donc, j'ai ce chat. Je vais aller sur modifier l'image. Ici, ça va être tout ce qui va être des designs que vous allez pouvoir ajouter à votre image. Notre but, c'est de modifier l'image. Donc, on va sur modifier l'image en haut. Ici, vous allez avoir directement effaceur d'arrière-plan quand vous êtes en Canva Pro. Vous cliquez là-dessus. Vous attendez quelques secondes. Et voilà. Vous venez de détourer en quelques secondes. Donc, c'est super pratique. Il y a des images qui peuvent être un petit peu plus complexes. Par exemple, il faudra utiliser le pinceau pour pouvoir gommer ce que vous voulez, par exemple effacer, vous voulez effacer la main, ben vous pouvez effacer la main comme ceci. Et ensuite, vous cliquerez sur terminer. Bon, là, je ne l'ai pas très bien fait, mais bon, c'est au moins pour vous montrer le principe. Voilà, vous pouvez ajouter des arrière-plans de ce type. Donc là, ça n'a pas trop de rapport avec le chat, mais vous pouvez aussi choisir des images, des photos. Et c'est vachement facile. Comme vous pouvez le voir. Alors celle-ci est un petit peu bizarre parce que vous avez la main, mais vous pouvez aussi rétrécir tout ça, vous faites ce que vous voulez. Je vais en prendre une autre pour vous montrer rapidement. On va prendre celle-ci et on va faire pareil, on va faire modifier l'image. On va cliquer sur effaceur d'arrière-plan et ça va le faire vraiment automatiquement et tout seul, vous n'aurez rien à faire. Vous avez vos deux chats. Et puis ensuite, si vous souhaitez faire une miniature YouTube, il vous suffit d'aller dans le texte, dans zone texte, de choisir une typographie qui vous convient, ce texte-là, et le changer parce que là vous allez voir que vous avez ça un rectangle, et dans le rectangle vous pouvez changer chat, taper chat et mettre chat. Ensuite vous pouvez réduire le texte, l'appliquer là où vous voulez. Il vous suffit ensuite de le télécharger, il suffit d'appuyer sur télécharger, en image en haute qualité, télécharger. Cela va se télécharger en quelques secondes sur votre ordinateur. Et voilà, vous avez votre image de haute qualité détourée. Et vous pouvez faire la même chose avec vos propres photos en appuyant ici sur Importer. Alors si vous êtes intéressé pour pouvoir faire vos miniatures, vous détourer vos photos autant que vous en voulez, eh bien je vous invite à découvrir en cliquant sur le lien disponible en description. Votre abonnement gratuit pendant 14 jours de Canva. 14 jours gratuits pour essayer tous les outils, tous les designs et voir si cela vous plaît pour détourer vos photos, faire de belles miniatures YouTube.